Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais fabriquer un petit étui pour ranger mon gabarit de défonceuse. En effet, à force de réaliser une multitude d'accessoires, à un moment donné, il va falloir les ranger. J'ai cependant voulu créer une boîte plutôt originale, au lieu de partir sur un caisson complètement classique. J'utilise de ce fait, comme base, un médium de 10 mm, sur lequel je vais essayer de coller des lamelles de contreplaqué. Je découpe donc des lamelles de contreplaqué de 8 mm d'épaisseur. Pour ce faire, je travaille un petit peu à l'envers. En effet, au lieu de régler la scie sous table à 8 mm et de couper des lamelles successives, je pars dans l'autre sens. C'est-à-dire que je décale à chaque fois ma coupe de 1 cm, comme je tiens compte des 2 mm d'épaisseur de la lame, ce qui me permet d'avoir une grande partie pour pousser le plateau et être un peu plus en sécurité. Le problème majeur que je vais rencontrer dans cette réalisation, c'est que le contreplaqué n'est vraiment pas de bonne qualité. En fait, c'est du contreplaqué que j'ai acheté dans une GSB. Et franchement, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup mieux. Ensuite, je colle les lamelles successivement sur mon plateau de médium. Je compresse l'ensemble pour les mettre en contact. J'ai également effectué une pression de haut en bas pour bien que les lamelles soient collées sur le médium ou qu'on ne voit pas à l'image. Je découpe ensuite du valchromate de 8 mm pour effectuer la jonction entre les deux plateaux. Ça n'a pas réellement d'intérêt dans la construction, j'ai juste fait ça pour un aspect esthétique. J'effectue ensuite des coupes à 45 degrés successives qui vont me permettre de réaliser ma boîte. Là encore, je suis un petit peu embêté avec la qualité du contreplaqué. Donc j'essaye de sortir la lame au maximum et j'essaye d'aller doucement pour éviter les éclats au maximum, ce qui n'a pas forcément une très grande réussite.
Au niveau du collage, comme je savais que je n'avais pas besoin d'une précision excessive, comme il n'y a pas de porte, il n'y a pas de couvercle, etc., que l'ajustement n'est pas obligé d'avoir une précision exacte, j'ai pris un petit peu la confiance et je me suis dit je vais le faire comme ça, au serre-joint, à la volée. Grosse erreur, erreur absolue, c'est impossible. Donc, en plus je ne fais jamais comme ça, mais du coup j'ai dû enlever et remettre les serre-joints dans tous les sens. Bon, à la fin, j'ai réussi à faire quelque chose d'à peu près propre. Mais alors là, je laisse les images, mais c'est exactement ce qu'il ne faut absolument pas faire. Il faut jamais faire comme ça. Ça ne marche pas, en fait. C'est pas possible. Donc, voilà. La petite boulette. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que souvent je mets des images avant de mes réalisations. Donc, puis pour communiquer, c'est assez sympa Instagram. Donc après, je rentre dans la phase de finition, avec un léger ponçage dans les angles, pour les arrondir un petit peu, parce qu'ils sont vraiment pas parfaits à cause des légers éclats du contreplaqué. L'effet millefeuille est assez réussi, je trouve. J'enlève la partie inférieure et la partie supérieure pour pouvoir coller ma plaque de valchromate proprement. Je découpe donc deux morceaux de valchromate de 8 mm qui vont me permettre de faire ma finition sur la partie haute et la partie basse. Je découpe donc ensuite un petit taquet en contreplaqué qui va me permettre avec une coupe à 45 de pouvoir fixer mon étui sur mes French lits.
Donc ensuite, je fais une finition avec du rubis transparent, ce qui me permet de protéger un peu l'ensemble et de lui faire une finition plus aboutie et faire ressortir donc le noir du valchromate. Voilà, la vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Ce n'est certainement pas le projet le plus abouti que j'ai réalisé, car j'ai rencontré finalement beaucoup de difficultés que je n'avais pas estimées. Mais la finition est plutôt sympa, l'aspect millefeuille est plutôt réussi. J'essaierai de réaliser certainement quelque chose dans le même thème, mais avec un contreplaqué de bien meilleure qualité. Et n'hésitez pas à vous abonner, car avec l'approche des 10 000 abonnés, je suis en train d'organiser un concours avec des cadeaux vraiment sympathiques. Merci à vous, à bientôt.